et sœurs, et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 20h35, heure de Paris. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. Seigneur, notre Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ce moment, Seigneur, que tu nous as donné. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour cette parole qui nous guérit, qui nous sauve. Merci pour ta révélation, Seigneur, celle qui nous purifie, qui nous donne à connaître notre identité en toi. Au nom de Yeshua, nous te prions, Père. Amen. Voilà, bonsoir tout le monde et merci d'être présent ce soir, d'être connecté ce soir. Et nous sommes très heureux de vous savoir aussi fidèle au Seigneur et fidèle à sa parole. Que Dieu soit béni. Donc ce soir, il y aura deux émissions. Donc nous allons premièrement présenter un peu les projets que le Seigneur nous a mis à cœur. Et voilà, petit à petit, ben, l'oiseau fait son nid, les choses avancent. Et vous êtes nombreux à être touchés, à être encouragés par le Seigneur au travers des enseignements que nous recevons. Et vous êtes nombreux également à prier pour nous. Et face à l'adversité, bien sûr, nous avons besoin de frères et sœurs, des enfants du Seigneur qui l'aiment et qui nous soutiennent dans la prière et afin que l'œuvre du Seigneur se fasse. Voilà, donc le Seigneur nous a mis à cœur plusieurs projets et, depuis quelques années et petit à petit, ben, ces projets se mettent en place. Et il y a quelques années, il y a peut-être 14 ans de cela, le Seigneur m'avait mis à cœur de mettre en place une organisation, enfin je veux dire une association pour s'occuper des orphelins, des nécessiteux. Il y a, je dirais plutôt en 2002, donc il y a 15 ans de cela. Et on a pu, grâce au Seigneur et à vos prières, à vos dons, acheter à Courcouronnes des locaux. On en a souvent parlé. Et mais comme il y a de plus en plus de nouveaux, donc ils ne le savent pas forcément, donc on a acheté ces locaux contents. Et dedans, ben, on s'est organisé pour pour pouvoir héberger des SDF de temps à autre et aussi accueillir des frères et sœurs qui ont les besoins, des gens qui ont les besoins, qui ont des problèmes sociaux et qui viennent pour être aidés, pour être aussi nourris, parce qu'on a mis en place une épicerie solidaire, la première épicerie solidaire qui a été mise en place par des frères et sœurs qui travaillent dans ces locaux. Voilà, donc il y a aussi une cuisine qui a été aménagée pour pouvoir faire à manger et nourrir des personnes sans abri. Et voilà, avec un minibus qui a été acheté pour aller faire des maraudes, des sorties hivernales. Voilà, donc ensuite il y a des locaux qui ont été achetés il y a 3 ans bientôt ici à Évry au 24 pour pouvoir installer le matériel de TV des vies et afin que vous ayez ces enseignements que vous avez depuis quelques temps, notamment ce soir. Et le Seigneur nous a demandé aussi de mettre en place un centre de formation. Donc c'est ce que j'ai mis en place, hein, donc Didasco, notre centre de formation qui a commencé avec 40 à peu près 45 élèves. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 200 élèves qui viennent de partout. Et donc, on a eu à cœur d'acheter des locaux du 26, parce que le propriétaire de ces locaux nous a dit clairement qu'il comptait les vendre. Et nous nous sommes dit, bah, autant les acheter, parce que ça fait quand même des années qu'on travaille là-dedans. Ça fait plus de 12 ans. Donc, autant carrément les acheter. Et il nous a proposé ces locaux à 207 500. Alors, on s'est dit, ben, on va s'organiser pour pouvoir les acquérir. Et merci Seigneur. Ben, avec la gestion des finances que Dieu nous a donné à mettre en place, avec vos dons, vos offrandes, et tout ça, au niveau de TV de vie notamment, David et l'équipe, on avait mis de l'argent de côté. Et donc, avec ceux des frères et sœurs d'à côté, on a pu avoir à l'heure actuelle 130 000 euros. Donc, il reste, je pense, dans les 83 4, ou 4 000, quelque chose comme ça, 94 000 euros à peu près. Et voilà, donc Dieu travaille, mes amis. Et donc, nous allons signer au mois de mai,
parce que nous avons vu le propriétaire aujourd'hui. Donc nous allons signer au mois de mai et l'achat comptant, sans crédit bien sûr, des locaux du 26 afin de pouvoir former les frères et sœurs qui viennent se former au centre de formation d'IDASCO. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni en tout cas pour l'avancement de son œuvre. Alors nous allons vous montrer les images un peu de ce qui a été fait au niveau des locaux, au niveau de et ce qui se fait dedans, de l'achat des deux premiers locaux à Courcouronnes et ici au 24. Et puis après cette vidéo, ben, il y aura une autre émission avec des frères et sœurs qui ont quelques champs à partager. Mais je pense que j'aurai aussi au moins 15 minutes pour répondre aux questions relatives à la famille, parce que j'ai fait une exhortation. Hein, donc j'ai répondu aux questions aux frères et sœurs de la Guadeloupe sur la famille. Et beaucoup sont touchés et veulent appeler, notamment ce soir, ou appeler déjà depuis, et ce soir notamment, ils vont appeler pour éventuellement poser des questions. Donc voilà, donc l'équipe va pouvoir nous balancer cet élément. 5 avenue Orba Martin à Courcouronnes, au siège social du Pain Quotidien, et tous les frères avec sœurs avec qui on travaille, que ce soit le Grenier Solidaire et la Voix des Sans-Voix. Et là, on va essayer d'aller vous faire visiter les locaux, ce qui se fait depuis maintenant près de 10 ans, nous avons pu accueillir ces locaux par la grâce du Seigneur. Ben, nous sommes dans les locaux à Courcouronnes, locaux que nous avons pu accueillir par la grâce du Seigneur, par rapport à la vision. Et on essaie en train de faire un travail un peu du niveau social. On va rentrer, on va vous présenter les pièces. Ici, c'est un peu l'œuvre sociale, au niveau du Pain Quotidien, où on soutient près de 15, 10 orphelinats en tout cas dans le monde, que ce soit au Mexique, que ce soit en Haïti, en Mali, Bénin et beaucoup d'autres pays. On s'occupe, on met en place le parrainage avec l'alimentation, la scolarisation, suivi médical et la formation chrétienne des enfants orphelins de quatre coins du globe. Là, on va vous faire voir en parallèle. Comme le travail du Pain Quotidien se limite plus au niveau du parrainage avec le suivi, ici on a des locaux où on fait des réunions et là c'est un peu la réserve par rapport au Grenier Solidaire au niveau de l'épicerie. Voilà. On accueille au jour de l'heure d'aujourd'hui, ça a été créé depuis 3 ans maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, il y a près de 700 familles qui bénéficient et avec bien sûr des denrées alimentaires à stock. Un peu de stock, de ce qu'ils ont à manger. Oh, et voilà. Une réserve. C'est un peu la réserve de l'épicerie et de l'autre côté, on va aller voir l'épicerie en lui-même. Les bureaux pour la permanence juridique. Bien sûr, au-delà de donner l'aspect alimentaire, on a aussi, on reçoit des personnes sur l'aspect juridique et administratif. Parce qu'on le prêche bien, on ne peut pas travailler avec les papiers d'autrui ou faire de la fraude. Mais quelles sont les solutions qu'on donne aux frères et sœurs qui sont coincés administrativement parlant? Ben, on a mis en place une permanence juridique avec des juristes. Et puis, si on peut engager on appelle les frais administratifs au niveau du Pain Quotidien, on essaie de soutenir les frères et sœurs dans ce sens. Et là, nous allons faire visiter un peu l'épicerie où les familles viennent avec un ticket, et puis vous allez remarquer sur les étagères, sur les paquets, il y a les prix des denrées. Non pas que les gens payent à la fin, parce que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement, mais c'est un peu un aspect socio-éducatif pour que les gens restent encore avec la réalité que vous avez à payer par rapport à tout ce qu'ils vont obtenir à la fin. Et on a de quoi, côté alimentaire. J'ai là aujourd'hui, pendant 2 jours, de vendredi, samedi, dimanche, nous recevons des familles. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est dimanche, il n'y a presque plus rien. Et chaque fois, on essaye de faire le stockage. Et Dieu nous fait grâce, en tout cas, au niveau de l'épicerie. Là, on va essayer d'aller voir la salle un peu de réunion. Et là, la salle de réunion, où on se retrouve un peu avec les frères et sœurs pour essayer de faire le travail. On vient aussi passer le temps de prière. Prier avec les frères et sœurs, faire des réunions, et chaque entité, en tout cas au niveau du social, que ce soit le Grenier, que ce soit le Pain Quotidien, la Voix des Sans-Voix, voilà, on essaye en tout cas logistiquement de se trouver un temps pour se retrouver, et surtout se retrouver chaque dimanche pour prier, adorer le Seigneur ensemble. Et bien sûr, là aussi, le samedi, on reçoit les sans-abri. Les sans-abri, on a un culte un peu avec les sans-abri, après un repas, on partage un repas avec eux.
de plus en plus par la grâce du Seigneur, il y a des conversions et on rend vraiment gloire au Seigneur parce que l'évangile aussi, le Seigneur est venu chercher de sauver ceux qui étaient perdus. Et je vais laisser peut-être Grégory nous présenter la cuisine et comment ça se passe avec le repas au niveau de la voie des sans voix. Alors, bonjour. Alors, au niveau du repas, en fait, ici, on a la cuisine où on peut préparer vraiment ce qu'on fait, en fait, au niveau des repas pour les sans-abri. Alors, en fait, le repas, c'est deux fois par mois, les deux derniers samedis du mois. Et le vendredi d'avant, en fait, donc la veille, on s'en va en maraude. Ce qui nous permet, en fait, comme ça, de pouvoir rencontrer les sans-abri et de pouvoir les faire venir ici le lendemain dans nos locaux. Et le Seigneur nous a conduit différemment encore au niveau des maraudes, puisque maintenant c'était la veille, chose qu'avant on n'était pas, enfin c'était pas la veille avant. D'accord. Et maintenant, et voilà, donc ça en fait c'est le bureau, la, ce qu'on va appeler la réinsertion sociale en fait, simplement parce que on a, la, par la grâce de Dieu en fait, on a une sœur avec nous qui est dans le social. Et du coup, avec le matériel qu'on a eu par les dons de frères et sœurs, on a pu en fait mettre en place un pôle en fait réinsertion sociale où les sans-abri pourront venir dans nos locaux, on pourra les recevoir et ensuite pouvoir avoir, suivant en fait comment le Seigneur nous conduit et par rapport aux différents emplois qu'on peut avoir en France, les intégrer en fait, les réintégrer dans la vie professionnelle. Voilà. Et donc on a aussi des matelas. Ici on en a 6 en fait, puisque avec le froid, avec le plan grand froid qu'il y a eu cette semaine, on va essayer de voir comment le Seigneur conduit les choses pour vraiment pouvoir mettre en place des hébergements d'urgence. Avoir une équipe prête et quand partir en maraude, vraiment pouvoir en fait simplement héberger les personnes qui peuvent, parce qu'on a pu le voir encore cette semaine avec le froid qu'il fait. On a rencontré des situations compliquées, des sans-abri dans des situations très 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 précaires et du coup on essaie, on va voir vraiment pour pouvoir instaurer quelque chose par la grâce de Dieu, des hébergements d'urgence. C'est un peu ça le travail. Voilà pour le travail et on espère en tout cas par la grâce du Seigneur. Là, c'était on a pu vous faire visiter les premiers locaux qu'on a pu accueillir en tout cas à 100% par la grâce du Seigneur. Un peu l'équipe avec qui on travaille, les gens de l'ombre. Après, vous allez voir les deuxièmes locaux au niveau du 24. Ici, on est au 5 avenue Larme à Martin. On essaie de faire le travail au niveau du social. Vous allez voir les deuxièmes locaux et bientôt, par la grâce du Seigneur, les troisièmes locaux. C'est pour ça qu'on voulait vraiment vous rappeler un peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas la vision, pour ceux qui viennent d'arriver, vous faire comprendre que ça fait un temps que nous essayons, par la grâce de Dieu, de travailler. Et on essaie en tout cas de bien gérer votre argent. Je suis encore sous le contrôle de notre trésorière, en tout cas. Et bien essayer de gérer votre argent. C'est pas toujours facile, c'est sûr, parce que professionnellement, les uns et les autres sont impliqués quelque part. Mais en tout cas, par la grâce du Seigneur, nous essayons à essayer, en tout cas à notre niveau, à honorer le nom du Seigneur par le service, par le travail. Et on le prend aussi avec le travail qui pourrait être fait sur le 26 avec Charles Fourier. Parce que vous nous faites confiance, le Seigneur encore sera glorifié. Merci pour votre soutien. Bonsoir frères et sœurs, bienvenue au locaux du 24, on va vous faire visiter. On va commencer par l'un des bureaux de travail, où à la fois on stocke les billes, mais aussi on reçoit aussi les frères et sœurs et ceux qui nous visitent, voilà, pour partager aussi sur la parole. Et ici on a deux autres bureaux de travail, l'un d'eux est principalement utilisé pour le stockage des billes qu'on a reçues récemment. Un autre bureau de travail où il y a des frères et sœurs actuellement, voilà, sur un point plus technique, par exemple pour l'actualisation du site TV de Vie. Ici, on est plus dans un lieu, on va dire, de réception, de collation, pour voilà, quand on est de passage, lors des réunions aussi. Donc voilà, boisson chaude ou fraîche, il y a un frigo, il y a de quoi se ravitailler. On passe à une autre salle un peu plus importante, où se situent régulièrement donc les sessions d'IDASCO et où travaille l'équipe des Docimos aussi. Donc voilà, c'est aussi un lieu où pendant les réunions, quand le 26 est rempli, où vous pouvez venir aussi. Le plan aussi technique donc des toilettes, voilà, adaptées pour les femmes et pour aussi les enfants. Un deuxième lieu. Similaire, donc ce sont les toilettes hommes, mais aussi donc il y a une salle donc aussi pour les baptêmes avec tout le matériel nécessaire et donc la baignoire prévue à cet effet.
On va rejoindre la partie locaux beaucoup plus technique cette fois-ci. Avec bon là c'est la partie garage avec le camion qui nous accompagne sur les missions voilà au moins au niveau national aussi lorsque nous étions en Angleterre par exemple. Et là on accède aussi à la partie studio avec différents plateaux. Donc un plus grand avec le piano aussi, voilà, vous avez pu voir des émissions par exemple de louanges. Et une autre partie plus petite, ce plateau, lors d'entretiens, de témoignages. Et enfin là on a la régie où les frères et sœurs s'emploient actuellement à la bonne marche la diffusion sur site TV de Vie par exemple. Donc nous voici aux locaux du 26, je vous fais visiter. On a un bureau aussi également ici. Et donc pour vous présenter l'ensemble de la salle, plus largement. Donc c'est ici que se tient désormais toutes les sessions d'IDASCO. Et puis également bah, les réunions comme les journées de la jeunesse, des conférences chrétiennes. Et puis c'est là aussi où se réunit l'Assemblée d'Évry, hebdomadairement. Donc nous avons aussi le projet d'acquérir les locaux du 26 rue Charles Fourier, dont le montant s'élève à 220 400 €. Par la grâce de Dieu et vos dons, nous avons récolté 130 000 €. Donc soyez bénis et continuons pour l'œuvre du Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. À bientôt. Donc, vous avez pu visionner cette vidéo, mes amis. Que le Seigneur soit béni. Et voilà le travail qui se fait et qui se fera. Et on a voulu juste vous montrer un peu ce qui se fait avec les dons que vous faites. Voilà, donc... au niveau de Courcouronnes et au niveau du 24 ici et au niveau du 26 avec les prochains les nouveaux locaux que nous allons acquérir. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Donc actuellement bien, nous avons près de 130 000 €, il reste 94 000 € et le Seigneur ben, soutient comme d'habitude, hein. Donc nous avons voulu simplement vous informer. Que le Seigneur soit béni.